vous regardez RTL. Vous êtes comme ça naturellement, vous n'êtes même pas drogué. Hein. Je suis plus barjot dans la vraie vie qu'à la télé encore. Oui. Ah oui, ah oui. Non. Bien sûr. Et il fait quoi ce monsieur Laurent Lan? Il commande des matchs de foot sans joueurs et sans ballon. Tu le connais pas? Mais c'est vrai en plus. Je vous explique, Laurent. Sur l'équipe TV, ils n'ont pas les droits des matchs de foot. Alors, et qui a les droits, comme chantait Bruel? Alors, Johan Rioux, qu'est-ce qu'il fait? Il met un téléviseur devant lui. On ne voit pas les images, évidemment, du téléviseur. Et lui, voilà, commente pour les téléspectateurs ce qu'il voit sur l'écran. Ouais, mais il peut faire ça avec n'importe quoi. Ah, bah, sur Canal, le ça, X. Non, ouais. Ça sent le porno en audio description. Je ne saurais pas décrire. Par exemple, le match de ce soir, là, ça va démarrer au Stade de France. France-Islande, vous pourriez nous le faire avant que ça démarre, là? Alors. C'est vrai? Ah bah oui. Alors attends. Francis Lange, je connaissais Francis Lalanne. Ce soir, c'est un match important, attention, c'est bah un match qualificatif pour les mondiaux. Sûrement, en France. On a gagné contre les Moldaves. Vous voulez le score? Vous le savez, je suis sûr, Caroline, le score. Non, cette fois-ci, non. J'ai pas des flashs à chaque fois. Parce que Caroline avait été quand même l'une des 5-6 personnes en France seulement à prédire la victoire de Manchester United au Paris Saint-Germain, donc c'était absolument extraordinaire. Bah oui, je vous remercie. D'ailleurs, je vous ai regardé du coup, parce que Laurent Ruquier m'a envoyé un message, un SMS à 23h, je me suis dit merde. C'est vrai. Et là, il me met. Tu es médium. Du coup, je me suis branché. Alors que je pensais qu'elle était XXL. Du coup, je me suis mis sur l'équipe. Et j'ai vu l'énergumène complètement abattu. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais cela dit, c'était très rigolo. Il fait des pirouettes. Mais oui, il se tient beaucoup le front. Tu sais que les cheveux ne peuvent plus tomber. Ils ne sont plus là. Bon, alors, vous nous le faites, le match. Allez. Le match est commencé depuis 30 secondes et déjà l'équipe de France à l'attaque. Alors Laurent Baffi qui... Allez, vas-y Laurent, on le fait en duo. Toi tu es comment dire, Bichette Lizarazu, je suis Grégoire Margoton. Et le ballon est sur le côté gauche avec maintenant Mbappé qui dribble un joueur, deux joueurs, trois joueurs, dribble Mbappé entre les polos, il centre et là qu'est-ce qui se passe au second poteau? Il y a Giroud qui... Giroud... Tu prends des amphétamines. Il est plus top que les joueurs. Avec toi, parce que je découvre quelqu'un de super gentil. Mais alors, on connaît déjà les joueurs alors. Alors, maintenant, on va voir, parce que justement, Deschamps peut y avoir des surprises, mais bon, on va voir si Giroud continue encore à marquer. Ah. Parce que Giroud, quand même, ce soir, c'est important. Il a 34 buts ex aequo avec Trezeguet, et on va voir s'il va dépasser la légende Trezeguet. Laurent, vous pouvez régler ce mec à la bonne vitesse.